Coucou tout le monde. Alors, tout d'abord, je tiens à m'excuser du coup pour les vidéos qui sont en retard, etc. Et je vais vous expliquer un truc sur mon pied et on va faire la petite journée. Comme je vous l'ai expliqué il y a maintenant un peu plus d'un mois, je me suis pété la cheville. Voilà. Je me suis fait une fissure de la cheville, ce qui veut dire que actuellement, je ne peux pas réellement encore marcher sans béquille et sans ma prothèse, enfin sans mon athlète, mon attelle, pardon, mon athlète. Pardon, je viens juste de me réveiller, c'est pour ça. Jeudi dernier, on m'a dit c'est bon, on peut te l'enlever, mais par contre, t'as une attelle, donc pour marcher, tu mets ton attelle. La seule chose qu'on te demande, c'est de mettre tout le temps mon attelle en fait, et de l'enlever quand je dors et quand je suis sur mon lit, du coup, quand je marche pas, j'essaye de l'enlever un peu. Voilà pour ça, la parenthèse est terminée. Maintenant, je me suis dit que comme l'année scolaire a commencé, là vous êtes en vacances, donc vous êtes tranquille, mais pas moi. Moi, je continue à travailler parce que moi, je travaillais plus, tu vois, vu que je suis à la maison. Et je vais vous expliquer comment ça se passe. Alors déjà, première chose, bah, CNED à la maison, mais pas le CNED total. Il y a le SAPAD aussi, donc ils ont essayé de me remettre au collège. J'ai fait un seul cours là-bas, parce que personne m'a fait le cours. Malheureusement, j'ai failli m'évanouir pendant le cours. Donc en fait, on n'a pas fait le cours, on a juste discuté pour qu'elle apprenne plus à me connaître, etc., etc. Et donc j'ai failli tomber dans les pommes et tout, bref. C'était la cacophonie, clairement. Et j'ai raté une ou deux semaines de cours parce que je n'arrivais pas à me concentrer avec l'heure qui était fixée pour aller au collège, pour faire ne serait-ce qu'une heure de cours. Je n'en pouvais plus, du coup, là, c'est un peu compliqué. Du coup, je dois reprendre mes cours. Voilà. Du coup, aujourd'hui, vous allez me suivre. Même si cette journée va être très, très ennuyante, pour sûr. Pour sûr, clairement pour sûr. La première chose que je vais faire, c'est peut-être manger. On va peut-être aller discuter, manger. Je vous avoue que en ce moment, il y a genre personne à la maison, du coup j'adore. Je donne une petite technique, vous voyez, ça fait ça sur les trucs. Du coup, je mets des barrettes pour pas que ça le fasse. Ah, on a des petits trucs, hein. Ça montre à quel point je suis habituée à avoir des attelles et tout, t'as montré, t'as compris. Au final, j'ai pas mangé. Je suis direct venue ici pour travailler. Bon, une histoire, Géra. Let's go. Passé. Après que j'ai regardé mes épisodes de One Piece, j'ai un peu fait rien de ma journée. J'ai regardé un drama, j'ai regardé des trucs sur YouTube et après je me suis préparée pour aller faire la petite fiesta, tu vois. Et là on est rentré, il est genre minuit et des bananes. Je me suis changée. Je suis désolée pour ça aussi. J'ai un énorme bouton dans le nez. On adore, ça fait très mal. Et du coup, en fait, on est allé chez des amis, on a mangé là-bas et voilà quoi, c'est tout. Du coup, j'ai fait une petite vidéo que vous avez dû voir un peu après. Mais voilà, bon, moi je vous dis bonne nuit, bonne journée, je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez si vous voulez et commentez si vous le voulez aussi. J'adore répondre à vos commentaires, je vous le dis. Il n'y a pas souvent beaucoup de commentaires, mais ça me va très bien, puisque je peux répondre à tous. Et ça me fait plaisir. Donc voilà, voilà, je vous aime.
Beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vous dis à la prochaine. Ok? Et la prochaine vidéo, normalement, sera quelque chose d'un peu plus gros. Je l'espère. On verra. Bisous.